Et bonjour à tous. Bonjour Vampire, je sais pas si t'es sur le Discord. Allô. Ah, de mon cher Sakio, excuse-moi, j'hésitais à te répondre Parfait. parce que je viens d'avoir un petit freeze dans mon PC. Je me suis dit, si je dis bonjour et que je plante, je Ça vais va te être la dans le rigolo. cul. Tac, tac, tac. Donc là, je suis en train d'aller spec, un peu, d'aller stalk nos chers amis de MLMX, puisque à part Satch Katu, je crois qu'aucun des joueurs n'est connu. Non, en effet, il n'y a pas trop de joueurs connus. Slashy, bon, peut-être, qui est le joueur qui joue par exemple Kyobu, etc. C'est grand joueur de Thresh qu'on a pu voir l'année dernière. Slash, le VP. Je pense que voilà, je te laisse talk un petit peu. Moi, je vais leur proposer de lancer. Comme ça, on a le temps de. Comme ça, on a le Alors, temps vu que de j'étais en stalk en même co, temps. Ok? vas-y. Vas-y, je retape tout parce que je vais chercher en Corée. Ils En sont pas Corée? encore. Ils sont pas encore en Corée, non. Ils sont pas encore en Corée. Donc, ça part. Ah oui, ça part direct dans la phase de ban. On n'a même pas eu le temps de faire les présentations. Ok, bon, ça Hop, marche. alors faut juste que je Hop, alors. change ce texte-là. Hop, alors ça part direct sur le ban Fiora. Alors, il faut savoir que j'ai fait vite fait spec ce que jouait notre cher Mini Merguez. Et Mini Merguez, c'est 45% de game Malphite, 45% de game Fiora, qui est un joueur Diam 4, là, qui est le plus haut de leur team. Et le Et voilà. reste, et Voilà. voilà. Donc ça, c'est Par ban, contre, ça ça a été respecte pas spec. Platane, hein. Ça veut pas En même respecter temps, c'est Platane. ce que. Bah, nous, on en a parlé un peu avec notre team. Je peux pas ban Platane, parce qu'il a trop de champions avec lesquels il playmaker. C'est son style de jeu qui est dérangeant, c'est pas ses champions. En vrai, il y a Ouais, il a 2-3 que. champions qui sont embêtants. Ça dépend de ce que tu veux jouer. Si tu veux Ouais, jouer un mais. truc assez agressif, par exemple le Tahm Kench, il vaut mieux le mettre de côté. Et tu vois, ce ban Samira, je pense pas que là ici ça joue. Je pense juste que les gens bannent Samira parce qu'elle fait trop peur. Tu vois, tu peux pas prendre le risque qu'il ait train en secret et tout ça. Et Oui. sachant qu'en face, on n'a pas regardé, donc ça banne du Kha'Zix, du Hekarim, du Thresh. Alors, j'ai pas encore eu le temps de Alors, Kha'Zix et vite Karim, j'ai pas vu pour cette statue. Surtout que je l'avais pas mis dans dans ma recherche. fait Mais. un petit Excel, on m'a dit. Petit Excel. Man, et puis sa mère. Super sympa. first pick Ornn. Je crois qu'Adril le Boss, on l'a vu l'année dernière. Je crois qu'il y avait déjà pick Ça Ornn me dit un ou truc, Malphite. Peut-être Malphite. je suis pas sûr. Et du coup, tu peux quand même rappeler d'où vient cette équipe d'MLMX, puisque c'est des nouveaux pour cette année. C'est des nouveaux pour cette Quelle année. école? Melon les Mureaux. Melon MLMX. les Mureaux, voilà, MLMX. Ceux qui Ils se étaient sont pas embêtés pour le nom. l'année dernière derrière le pseudonyme BKR avec Assas. Et qui du coup ont monté une team tout seul. On a pick Cho'Gath Trundle côté ADERF. Assez étonnant. Bonne réponse à Ornn, hein, puisque t'as Bonne les réponse dégâts à Ornn, tout bruts, à fait. t'as la tenue de lane avec la sustain du passif. Trundle qui peut jouer support, hein, complètement. Peta d'ailleurs Oh, je l'a souvent pense. joué support. Actuellement, c'est le build le plus répandu, c'est quand même optimisation glaciale top avec quelques items AP, puis après full tank. C'est vrai, après Je question pense c'est que c'est. savoir est-ce que Mini Merguez le joue. Bon Vi qui est pick en jungle par sa statue, je crois que je l'avais pas particulièrement vu, mais qui correspond au type de jeu MLMX en général. Et Fizz. Ok. Okay. Alors, ça montre beaucoup de pièces hein, du jeu, du plan de jeu là. On montre Oui. le scaling top avec beaucoup de team fight et d'engage. Pareil pour le jungle V qui est plutôt un jungle qui. Après, V a la polyvalence de soit full gank, soit full farmé, puisqu'il perd pas trop de points de vie contre les Drake avec Lina assez correctement. Et ce Fizz qui est un peu trop mis en avant rapidement, ce fils qui est. On pouvait prendre un support un peu cool, ou un ADC qu'on pouvait sécuriser. Là, le fils, ça quand même donne, ça donne libre cours à Shadow Oh, Yankizo et qui peut Shadow qui part sur un tranquillement. rumble. Voilà, il peut tranquillement counter. Et là, on est parti tous les trois sur top jungle mid et en Ouais. plus dans l'ordre des picks. Hein. J'ai Après, c'est l'impression facile, qu'ils hein. n'ont pas compris qu'ils font. Trundle, je t'ai dit, un Plata, on l'a déjà vu, Oui, on l'a déjà vu jouer voilà. Trundle On support. a déjà vu ton espoir. Mais c'est quand même drôle, tu vois, de voir que ça pique dans l'ordre. Je crois qu'ils n'ont pas compris que ça pouvait se faire. Mais je suis d'accord avec toi, le Trundle est flex. On Non, peut je pense jouer. qu'ils savent qu'on peut swap parce que Slash, c'est pas sa première game, sa statue Non, non mais plus. je dis Slash, ça bah en oui. rigolant, bien sûr. Mais d'accord, du coup, on vient essayer donc de target Slash pour la fin avec ce ban Bard. Je l'ai pas particulièrement vu jouer. Sachant qu'on nous dit dans les oreillettes que Man il pue sa mère pour reprendre les mots exacts. Et on target du coup la Kai'Sa d'Alexis, c'est assez étonnant, il doit pas trop jouer ces derniers temps. Alors moi je vais te dire exactement les picks les plus joués d'Alexis, ça va être Ezreal, Ezreal, Sivir, Aphelios aussi. Jhin, sachant qu'il a une bonne Sivir puisque sur 30 games il a 68% de win rate avec 3 de KDA, ce qui est très correct. Surtout qu'on connaît Et l'ADERF.
Voilà, la DR Sivir, ils l'ont beaucoup piqué l'année dernière pour permettre à Plata de roam en tant que support. Et comme ça, la Sivir a full farm, a full wave clear sous sa tour et elle est tranquille. Par contre, le ban brand, pour finir. Le ban brand, ils avaient peur d'un brand support. Alors, c'est quand même Sûrement, étonnant, ça. je vais regarder ça. Sachant que j'ai regardé, aucun mec joue brand en face. Il y Si, a bon, un... il a fait un Si, si, game avec si. brand, mais bon. Un petit peu, un petit peu. Il a fait Ouais, des mais il y a games la récemment. Morgana qui est Il y a plus la Morgana, embêtante. ouais. Il y a le Il y a brand qui a Alistar. été ban. Mais quand même, 3 bans support. Hein. Ils ont peur de support, c'est qui le support? C'est. Slash, slash. Ouais, c'est ça. Ah, il y a Diamant 4. Ok. Oui. C'est pour ça Ok, donc. le slash bah, qu'on a vu beaucoup l'année dernière. Hein. Je sais pas si tu te Oui. souviens. Let's Mais go c'était Zerf pas encore à Crène. ce pseudo-là. C'était. Non, non, il a encore un autre pseudo. Il a joué au tournoi sous le pseudo Random Shouty. Il a joué beaucoup Vi Jungle. Voilà, Et il a Vi joué ici. Ikkyobu sinon. Et je crois qu'il avait encore un quatrième compte. Bon, en Voilà. tout cas, il nous a montré beaucoup de comptes. Voilà. Et donc Alors, le Ezreal, pick Ezreal, donc on avait dit que on ça va jouer pouvait. safe. Peut-être qu'on va prendre un support à roaming, on va voir. En partant du principe que c'est pas un trundle support, bien entendu. Ou sinon, tu veux pick quoi? Si c'est un trundle Par contre, si c'est un support, trundle tu veux. support, la Miss Fortune, c'est très mal joué. Parce que Oui. un Un pilar... pillar comme ça à l'instant, Luffy. Et le face du trundle qui est intéressant, parce qu'on peut partir soit sur un support roaming, soit sur un jungle qui peut venir embêter cette Alistar, cette MF et full dive. Le Teemo. Alors, Teemo, qu'est-ce que ça montre? J'ai du mal à comprendre. Là, le Teemo qui rentrait pas du tout à compo. Après, t'avais dit peut-être le Shogat de support, mais bon. Non, Trundle plutôt support, je pense. Oui, mais au tout début, t'avais dit Shogat de support. Tu vois, ça peut partir sur Ouais. Trundle Jungle, Shogat sup, Teemo top. Après, j'y crois pas trop. Ok, Voilà. la Ah Morgana. non, donc c'est bien en train de jungle. A Après, priori, on Plata va sait pas qu'il jouer y a des support cette Morgana game. jungle. Plata va pas jouer jungle, d'accord. Ok. Enfin, pas jouer support, il va jouer jungle. Ok. Un peu de changement au coup d'alerte, c'est peut-être parce qu'il manque un joueur. Ouais, ça doit être pour Ouais, ça. le remplacement sûrement. Il manque Astra, ouais. Alors, Ok, bon bah du coup, regarde qui sait s'adapter du coup, et on va voir s'ils peuvent le montrer sur le terrain. En tout cas, une compo bien agressive, un côté MLNX. On a à la fois du teamfight et à la fois un petit peu de catch potentiel avec Vi, Fizz Alors c'est pas mal parce que le S Morgana, il va falloir aller chercher ce S Rin là. Alistar. Ouais. Ouais, les Ezreal Morgana, on en a vu il y a pas longtemps. D'ailleurs, quand tu joues Fizz et Ornn, est-ce que tu veux pas prendre la Morgana au lieu de prendre le seul Alistar là? J'ai du mal à comprendre Suis assez ce. étonné aussi, ce piqué Alistar. Il m'étonne un peu, surtout qu'ils ont déjà une. Ils ont déjà une frontline, donc ils n'ont pas besoin forcément de rajouter une personne de plus. Après, Je fais Alistar plus avec comme Miss ça. Fortune, c'est vraiment intéressant, hein, parce que tu peux headbutt les éventuelles sources de problèmes. Ouais, mais est-ce que tu veux pas mettre le Black Shield sur ta Ouais. MF, comme ça l'ulti est tranquille, et derrière toi tu peux, si t'imagines, tu joues Morgana avec ta MF, tu places une cage, tu mets Black Shield sur la MF, tu dis à MF, vas-y, Ah, mais ulti, surtout fais-toi que plaisir. l'ulti de Morgana avec l'ulti de MF, ça peut être c'est monstrueux. Voilà, C'est monstrueux. peut-être qu'ils avaient peur que Platane joue sur son Alistar et ils ont voulu le pick Ouais. en counter-pick. Et bon, là je suis pas fan du tout de ce pick Alistar contre Morgana, surtout avec cette compo-là. Bah, surtout, ouais, c'est ça, que Alistar contre Morgana, justement, ça a tendance plutôt à contrer Alistar. Donc, il aurait pas piqué, je pense, Alistar s'il avait été support. Après, dans la jungle, Vi contre Trundle. Trundle qui a un très très bon 1v1. Après, si c'est Plata qui le joue, on sait que Plata aime bien le jouer avec Vue du Chevalier Zeke, qui diminue du coup la force du 1v1. Mais Trundle ne peut pas se faire solo kill par Vi normalement. Non, je pense pas non plus. Donc. Après, il y a ce counter-pick Rumble dans Fizz. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vraiment injouable pour Fizz? Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, j'arrive pas trop à comprendre vraiment à quel moment Rumble peut être fort au mid. Donc, je sais pas trop à quel niveau on se situe dans le counter-pick, mais bon. Sachant que ouais, Rumble, c'est un perso qui est là pour full wave clear et décale. Mais là, tu veux décale quoi? Tu veux mettre bien ton Ezreal et dive de l'AMF Alistar? Ou aller chercher du Ornn? C'est quand même assez compliqué. Hein. Et c'est quand même tanky comme personnage. Peut-être qu'ils vont tout simplement jouer le jungle mid juste en mettant de la vision et en venant embêter cette vie, prendre toutes les prios objectif neutre et jungle et jouer tranquillement le scaling. Je sais pas. On va voir comment ça se passait, on va voir quel est leur plan de jeu. C'est vrai que sur Rumble, je n'arrive pas trop à le comprendre dans cette compo, mais bon. À la fois en tant que counter pick et à la fois même dans la compo, je vois pas trop son.
pas son utilisation, mais voilà, comment il pourrait être utilisé. En tout cas, on a des picks qui sont intéressants, parce que c'est des picks qu'on ne retrouve pas dans ces Worlds, à part le Horn et le Ezreal, le reste est quasiment jamais pick aux Worlds. C'est vrai. Donc, Shogun, c'est un tes picks dans les ouais, avant c'est là pas une grande priorité. dans les phases de groupe, il me semble. Mais c'était oui, c'était pas du tout le un des picks majeurs. C'est pas une Camille, c'est pas un Karim, c'est pas tout ça. Attention au support d'Aderf, joueur très sous-coté. Je sais pas si tu parles de du coup de Man ou Man de Plata. Plata. Je ne sais Tu vois, on pas. a quand même Shogun puis sa mère. Vous savez que Man est un ancien cheater. On vérifiera ces mouvements. Et du coup, je viens de voir aussi sur le. J'y ai répondu, mais je viens de voir sur le général quelqu'un qui se plaignait pour la qualité des streams. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas les. En fait, tu sais, il faut un certain nombre de streams. Et on n'a pas encore le palier qui nous permet de. Augmenter les pixels. C'est ça. Ah. Enfin, de pouvoir proposer plusieurs qualités. Et du coup, on préfère proposer la plus grosse, comme ça, le stream, enfin, le replay derrière, il est meilleur. Oui, ça va, si on propose la plus grosse. C'est ceux qui se plaignent, du coup, c'est ceux qui n'ont pas une C'est bonne ça, connexion là. c'est la connexion qui dérange. Bah, du C'est coup, je pas mieux. comprends, hein, parce que quand t'as pas une bonne connexion, c'est frustrant. Je parle bien de Man le sang. Ok, bon, on va voir ça sur la game. Au niveau des summoners, donc on a Aftershock, enfin des summoners, des runes. Rien de bien étonnant, à part peut-être ce sorcellerie sur Cho'Gath, je sais pas trop. Hop, ah oui, du coup c'est bien un Cho'Gath Point Immortel et pas un Cho'Gath Optimisation Glaciale, Oh là là, juste là pour le 1v1, la tenue de lane. ça a chargé vite. Ça a chargé vite, ça a chargé vite. Donc Trundle qui joue bien, Press the Attack pour le 1v1 jungle, et Vi par contre électrocute. J'ai du mal à comprendre l'intérêt d'électrocute quand tu peux jouer Press the Attack avec Vi en fait, ou Conqueror même. Ok, on est parti dans cette gamme. Est-ce que ça va, Invade? Qui a les avantages d'Invade, mon cher Plata là? Pas mon cher CQ. Peut-être qu'on n'a pas trop envie d'invade, de toute façon connaissant la derf, je m'attends pas trop à une invade. Puis c'est C'est peut-être un vrai que la derf, contre-invade. Invade très très rarement. Hein. C'est plutôt du cover. C'est que Plata déteste Invade, déteste coinflip in-game. D'ailleurs, Vi qui est parti électrocute, je viens de le voir. Et oui, c'est ce que je disais. Je t'ai demandé quel est ton avis. Ça se voit que tu m'écoutes vachement. Ah bah bravo! Hein. Pardon. Pardon. Vi qui est parti électrocute, assez étonnant, on part plutôt des jeux de lame en général. Après, c'est plus ton avis que je vais Ouais, écouter ou plutôt des jeux que. de lame, c'est vrai. Et moi, je pense que le mieux, c'est étant quand même Press the Attack hein, Press pour the attack ou conquérant. Snowball voilà, le Z de vie. Après, l'avantage d'Ell of Blade, c'est que du coup, tu proc facilement le Z et que du coup, tu peux réduire ton CD Je jouais le de V au magie. début, mais en fait, vu que tu reset ton auto-attaque avec le E, Ouais. t'en as pas forcément besoin. Faudrait que je teste Press the Voilà. attack. De toute façon, je n'ai joué que Love Blade. Ok. Pas d'invade, Pas juste une d'invade, petite trinket classique. placée dans les bush. La red team qui a préféré le bush du bot side et la blue team le bush de la river top. C'est à Donc je peu pense que près. ça va faire tranquillement et qu'on va attendre le premier reset de chaque jungle par l'arrivée du niveau 6. Façon, là pour l'instant, voilà, start bot side des deux côtés. On part sur un. Clear ou est-ce qu'on va passer sur un deuxième gank pour la Vi? On va voir ça. On peut gank niveau 2 hein. Pour Vi, non. Non, on Ok. va full clear. Et par même ouais, Golem, donc c'est vraiment un gros full clear. Du coup, le Trundle aura pris Okara, apparemment. Peut-être qu'il va avoir le même les deux Karas, Plata. Par contre, je crois que Minimerkaze a fait un fake leech top. J'ai cru voir ça, je suis pas sûr. Ouf, C'était pas Trundle, c'est pas le évident. genre de perso à go à start top. Donc, Bon, après, je suis pas je très préfère fan plutôt du. un boost que de vouloir fake pour gangbot. Bon, règle générale, je suis pas très fan de les items AP, enfin, tu sais, pour les Ah oui, AP supports. support? Ouais. Ah oui, tu parles de l'item de Morgana. En effet, maintenant on sait que les supports préfèrent le truc moitié Targon là. Ouais, bah en fait, c'est juste trop fort. T'es safe et en même temps, t'as tous les avantages de l'autre. Sans peut-être la raison Voilà. de mana. Allez. Mais bon. Avec les runes, maintenant, t'en as plus besoin. Bon, bref. En tout cas, bon échange de bot, hein. On regardait du coup qui nous Ah, a. l'AMF qui est midlife hein. Man, du coup, qui est vraiment un cheater et qui.
qui met une grosse pression sur l'AMF. Oh, et qui touche. Voilà. Et savoir ce que l'AMF qui peut dans la cage, très bon replacement de la part d'Ezreal. Ouais, Ezreal, joli dash sur le côté histoire de. Mais là, il faut qu'il lance sa potion. Voilà, il lance sa potion. Plus de summoners du coup sur l'AMF. Très bon travail de la part de Man. Il a mis deux belles caches quand même. Oui, là, regarde, ça continue de mettre de la pression. Je pense que dans pas longtemps, ça va craquer cette bot lane. On a le Carap qui a récupéré topside de la part de Tata. Voilà, comme je t'ai dit, c'est exactement ce que j'ai dit, vu que la vie par force sur un full clear. Normalement, il trundle Plata à les deux Carap. Voilà. À mon avis, Sage Statue avait prévu de ne pas pouvoir compter ce trundle. Ouais, je pense aussi. Il savait de toute façon qu'il n'y avait pas la prio bot. Le Shogat a réussi à prendre la prio top, donc c'est pas trop mal pensé de la part de Vi, même si c'est plus compliqué du coup de jouer sans, oui. sans Carap. Ouais, bah là, il y a au niveau du farming, 28 à 24 avec deux Carap dedans. Attention d'ailleurs, le Fizz qui va faire échec le Trundle, non. Fizz qui a que 12 CS, hein, donc. Ouais. Ouais, il se prend une grosse pression. On commence un peu à comprendre du coup l'intérêt de Rumble contre Fizz. Après, il a encore ses 3 potions de corruption, je pense qu'il trade pas assez, hein. Il devrait... Non, il a peur, je pense qu'il a peur. Ouais, il respecte trop son adversaire, il devrait le forcer à, il pourrait prendre à trade de... et comme ça, le Rumble devrait back et comme ça. Après, c'est l'intérêt de jouer potions de corruption, hein, c'est d'avoir un early... Après, on est quand même sur un Rumble bouclé d'or. Donc... Ouais, j'ai pas vu l'AMF qui a réussi à trouver un back avec quelques 5-16 de retard, ça va, hein, c'est ouais, correct. C'est étonnant, hein. Ouais. Que j'ai pas fait gaffe non plus à ce qui s'est passé. Voilà, l'enchaîne du spell. Par contre, top, on est niveau 5. Et Horn qui engage sans mana. Ils sont en train de full stack leurs 2 points d'immortel. Ils vont arriver avec 5000 HP en teamfight. Ça va être un énorme scandale. C'est vrai que pour le coup, Shogas contre Horn, ça a des sacs à PV. Et on n'y a pas parlé, mais qui pourrait faire tomber ses tanks? Eh oui, Ezreal et MF. Personne pour et pareil, le mid, c'est assassin et un Rumble, donc pas un anti-tank. Personne pour faire tomber les tanks. Après, il y a Plata qui est du coup là pour récupérer la résistance de Horn. Le Pit Trundle est intelligent pour ça. Mais même avec un bon outil Trundle, le Horn va être intuable. Ouais. Le Shogas aussi. Hein. On va avoir des teamfights à Ramon, ça va être un plaisir. Ça snowball pas, ça va être un plaisir, les teamfights. Avec, tu t'imagines, une petite âme des océans par-dessus. Là, tu veux vraiment passer des teamfights de merde où il se passe rien pendant une demi-heure. Et d'ailleurs, en tant que support, est-ce que tu apprécies le fait que MF avait une ping tout à l'heure dans son stuff et Chalchibre a lui aussi une ping, donc ils ont pris deux pings assez tôt. Attention, la vie qui va se faire. Alors, vite le smite. Oh là. Oh oui, Plata okay. Plata qui a hit par contre sur ça. Ouais. Mais qui a forcé le flash quand même de la veille. Est-ce qu'il avait son pilar? Il a mis le pilar. T'es sûr qu'il ne l'avait pas? Je crois qu'il a mis le pilar. Je pense qu'il l'a mis en arrivant en fait. C'est dommage hein, de la part de Plata. Ils auraient pu récupérer un kill et un break là-dessus. Et au final, ils prennent juste le flash. Ils prennent juste le flash et ils perdent un flash aussi. C'est vraiment bien joué de la part de sa statue. Top, ça se trade. Par contre, oui, voilà, faut pas essayer de trade. C'est forcément bien joué, c'est plutôt un bon 50-50. Et grâce à la ping de, à mon avis, de l'AMF. Hein. Mm-hmm. Je pense que c'est la ping de l'AMF qui avait sur le break qui a permis à la vie de décider de faire ce break à France Equipe. Les bons rebonds trouvés par MF. On a réussi à récupérer une pression. D'ailleurs, voilà, ça se sent. Alors, Edge, Ignite. Et le First Blood. Le First Blood pour MF. Qui est sous Ignite. Ezreal qui n'a plus de mana. Hein. Ouais, mais qui. Il ne peut pas fight au milieu des creeps. Ouais, ils auraient pu quand même. Quoi, peut-être leur mid-run down, ils avaient pas. Oh oui, le combo, attention, MF. Oh, le heal. Auto-attaque. Oh là là. C'est un 2-0 pour cet MF qui part sur les chapeaux de roue. Elle qui a si mal commencé, peut-être, cette phase de lane avec, on s'en rappelle, le flash lui claqué très tôt. On n'a pas respecté le niveau 5 d'Alistar. Exactement, tu l'avais dit, le passage à Alistar niveau 5, l'engage. Et attention, Horn qui trouve le bump, le passif. Oh, joli. Oh là là. Aïe, dramatique pour la DERF. Juste un 3-0, la DERF en mauvaise position. C'était pas arrivé depuis combien de temps ça, mon cher Sakyo? Je sais pas. Après, il faut se rappeler aussi que la première game... Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de score? C'est vrai que la DERF ils avaient eu du mal aussi, leur première game l'année dernière.
Oui, on se souvient, c'était contre qui, Conte-moi. l'équipe pleine de pouces, C'est ça. pleine de petits prodiges. N'est-ce Et pas? d'ailleurs, la vie qui vient de passer niveau 6, Et là, ça commence à Prince devenir Ségolène, compliqué, ouais. je pense qu'elle a un gant à faire niveau bot, hein, sur ce Ezreal. Il y a... Ah, si, il y a... Trendel qui a fait un petit taunt pour attendre son raid. Ah, mais moi, la caméra automatique n'est pas sur Trundle, là. Non, mais elle y va un petit peu moins là. Elle y allait genre juste avant que les raids spawn. Et donc on a Ok. récupéré les deux raids buff, les deux junglers sont D'ailleurs, derrière buff. Pata qui va go Herald, qui doit avoir l'information sur lui, je pense. Ouais. Ou alors c'est un petit coup de poker, vu qu'il sait Je qu'on pense attaque. à un coup de poker. Et Je par pense contre aussi. au bot c'est mal joué ça. C'est Attends, sûrement un la coup de MF n'est poker. pas 6, la MF n'est pas 6. Ouais mais Mais c'est ça un. va passer, ça va passer, hein. Oui. C'était un coup de poker mais Fred. c'était pas une bonne idée. Pourquoi avoir essayé de go in alors justement Plata est en train d'attaquer Exactement, le c'est Herald. très solo carry ça de la part de ADF qui n'a pas respecté le fait que son jungle soit sur l'objectif top. Ouais. D'ailleurs, on n'a eu aucun roam support pour cet Herald. Hein. Ouais. Mais ce que je dis, ouais, c'est vraiment différent du playstyle habituel de la Peut-être que le fait que Plata soit en jungle, les joueurs ne respectent pas ses calls. Il a peut-être Il moins a de sûrement flow en moins. jungle. Il a sûrement moins de call, ouais. C'est possible. Oh, j'avais pas vu, regarde la vie, elle est partie smite bleu. Si, c'est assez courant. C'est pour rattraper pendant le Q. Ah ouais, oh, je suis pas fan moi. Hein. Vie, bah là du coup il peut plus du tout 1v1 ce Trundle Prezi attaque. Hop, je vais voir tirer le chat, excusez-moi. J'avais laissé le chat, c'était du hint. Ok. Est-ce qu'on va essayer de Ok. mettre cet Herald? Non, je pense. Si. Oh là là, c'est un Par peu contre, il y a la tôt. Vi. Au Il y a top, la ça Vi. se traîne. Et il y a la Morgana qui est aussi venue, qui a suivi le décal. Alors moi, la caméra qui est au top. Ah, moi, Oh, j'ai centré mid. Oh, et Orn qui loupe son là ulti. là, oh là, il y a encore son ulti. Non, je Par regarde, il y a encore contre, son ulti, il ouais, récupère bientôt. Ouf. Oh le. Oh, le fizz qui s'est Le fait. fils s'est troué. Et le Et ça Alistar dé. qui va tomber aussi. Voilà, Très bien deux joué de la kills part gratos d'ADF. qui arrive et qui va peut-être donner un kill supplémentaire. Parce qu'en fait, ADF n'a pas perdu de point de vie sur ce move. Hein. Ils se Non. sont vraiment Ils sont troués. empalés. Ils sont empalés dessus. Et Vi Bon. qui prend 1000 life. Hein. Sur 2 E de Rumble qui a sûrement réussi à prendre la tour sur ça. Non. Je pense que Vi va pas le laisser faire. Voilà. Ah, mais là, tu vois, avec le Red Smite, il y avait moyen de faire un truc. Elle peut pas. Elle peut pas. Plata a farm comme un dieu. Hein. 96 en 10 minutes 30. Qui a eu le temps de prendre les râles. Qui a pris un peu de plaque au mid. Il est big. Il est très big ce Trundle qui a des bots rang 2. Après, il a que 500 gold d'avance. Par contre, la Miss Fortune qui perd son passif, mais elle n'est pas mise en danger. Hein, parce que le Ezreal n'a pas encore stack sa mana mid. Là, MF, elle a un aimant à cage. Hein. J'ai l'impression de me voir. Ouh là là, le Et flash out. MF qui flash out sur ça. Peut-être c'était pas trop nécessaire, je pense. Oh, je pense pas que ce soit nécessaire, mais Mais c'est juste un coup spécial. surtout que là, voilà ce que j'allais dire. Surtout que le Ezreal a son ult. Donc on se met en danger d'éventuellement se faire tuer. Et le Drake qui est arrivé, il me semble, un Drake d'océan, donc ça sera une map Ouais. soit terre, soit vent. Vent. Ouh là là, la map terre aussi, là, on n'a pas parlé de la map montagne Oh. sur ce Horn. Impossible à tuer. Et Oh, attention, ça fight. Par contre, il n'a pas son. on n'a pas l'ulti de. Morgana qui a couru dans l'ulti MF, c'est ballot. Par Oh, contre, l'ulti fizz! Il est magnifique, le flash in! Trundle va mourir. Voilà, magnifique ulti de la part de ce fizz. Et c'est Oh là Randall qui là, va tomber aussi? lui qui a trouvé. Ah non. Non, Oh, non. et la Vi Oh qui là tombe. là, le Rumble qui s'en sort bien. Rumble qui s'en sort très bien et on Oh, a qui quand même. récupère bien son ulti. Non, le Par contre, Rumble aura le temps Shugas au de. top pendant ce temps-là, Free Farm, qui récupère des plays de solo et qui écrase Exactement, on une l'a pas. énorme wave sous la tour. On n'en Ça a a pas donné des kills. parlé. Ça a donné des Mais kills, mais pas sûr que ça ait été si worth it que ça au final. Par rapport à la bah, il perd le difficulté. Drake, hein, ça. Hein. Il Ouais, perd le ils ont pas. Drake. C'est un peu comme l'alerte tout à l'heure, ils ont pas eu le Drake. Ils ont eu des kills. Mais au top, c'est monstrueux l'écart qui est en train de se faire. 20 creeps d'écart. Je sais pas combien de plates il est en train de récupérer. Après, moi, je. Ok, le Cho'Gath permet un peu de limiter cette perte, mais je trouve que ça reste quand même un bon move de la part Oui. de Horn d'avoir TP, puisqu'il permet de forcer les summoners. Plata qui perd son flash. Le pareil pour le Ezreal, pareil pour le Rumble. Donc il y a trois flashs en moins. Plus, prend combien? Deux kills dans l'affaire. Ezreal et. Oui, il y a eu deux kills. Il y a eu deux kills. Il y a eu deux kills. Trundle qui est Donc. mort. Et trois kills même, peut-être, je crois. Peut-être que le support est mort aussi. Peut-être que Morgana est morte aussi.
Sachant qu'ils prennent quand même deux plaques mines, donc tu vois, ça reste correct. C'est juste l'histoire du Drake qui est embêtant. Mais Cho'Gath n'avait pas sa TP, donc de toute façon, il n'aura pas pu contest. D'ailleurs, Cho'Gath qui est parti sur Masque Psy. Oh là là, ça va être un giga dingue. Je crois qu'il va partir full tank. Mm-mm. Bah, ça part la même chose de l'autre côté. Hein. Regarde, côté Horn. Ah bah, c'est normal, t'es obligé de partir en service ça, le bonus niveau 30. Mais de toute façon, on n'allait pas avoir une. On n'allait pas avoir un. Comment on appelle ça? Un Cho'Gath optimisation glaciale, parce que on n'a pas l'optimisation glaciale, donc. Oui, on n'allait pas avoir le GLP et les ombres jumelles, ça c'est sûr. Mais bon, tu peux partir sur un petit Landry, un petit protobel quand même, un petit truc pour les gars, mais là, vraiment, ça va être full temps. Salut Daddaou, installe-toi bien confortablement dans ton fauteuil et apprécie que la DR soit derrière, même si l'égalité au goal est parfaite. Sûrement du haut farm, hein, 36 000, 26 bots. Les plates, hein. 3 plates tombées des top, 4 plates tombées mid. Bon, aucune plate tombée bot par chance. C'est une farm, moi. Oula, cet ultifis qui est rikiki. Ok, la vie. On sait qu'il n'y a plus de flash sur Rumble. Oh, c'était un full combo. On l'avait dit, la vie qu'elle est passée beaucoup de temps mid avec ce fils vie beau combo. C'est pour ça que le pick Rumble, moi, je comprends pas trop quand tu voyais, quand t'avais déjà vu le fils Rumble. Ouais, après bon, on a vu leur lien hein, sur les premières minutes, c'était vraiment intéressant, on le voit toujours, hein, il a 30 CS de plus. Voilà. Par contre, le Plata, c'est un peu trop gros, je pense. Ah, quoique, non, Plata qui peut 1v2, Plata qui peut 1v2, il y a avec ses kills. Ça passe, le Red Smite. Ok, le combo, tu peux ultimi. On a un Zhonya, il sort une qui va pas se faire stun. Par contre, c'est Van qui tombe encore une fois. C'est un massacre. C'est TMF qui est en 0-2, hein. Joli, oh là, très joli de la part de Zril. Ça n'apportera rien malheureusement. Mais très joli. Et au top, ça va être le solo kill. Au top, c'est le solo kill, oui. Solo kill de ce Cho'Gath tank sur cette arme. Magnifique, on a vu des très bonnes ruptures. Et regardez, c'est la first tour. C'est la first tour qui tombe du coup. Et on va récupérer les rounds. Il a 2700 HP à 15 minutes de jeu. Avec un item. Avec un item. C'est déjà injouable. Hein. Heureusement que la MF est en 4-0-2. Et du coup, la nerf qui commence à avoir matière à appliquer du jeu. Avec ce Cho'Gath qui est vraiment big. Ce Trundle qui est vraiment big aussi. Il faut juste respecter un petit peu la botlane. Respecter la Miss Fortune en 4-0-2 qui met 1-4-2 à son vis-à-vis. Après, la MF, si elle se positionne mal, sachant qu'elle a pas eu les meilleurs positionnements depuis le début de la partie. On a vu prendre quelques cages, faire des crashs un peu douteux. Oula, Vaille qui tente un go-in sur le Cho'Gath, qui va passer a priori. Elle est pas Red Smite. Hein. Oh, très bon ulti de la part du Fizz. Le problème, c'est par contre, il va mourir, il va se faire un homnum. Ah, il a pas son homnum. Il avait son homnum, pourquoi il a pas utilisé? Joli le pilar de ton homnum. Je sais pas si tu Le pilar qui console le cul de vie, magnifique. Rumble qui reste au contact, ça passe, pas de soucis. Ok, on a la Miss Fortune, voilà, qui, comme on en a parlé, a pas trop respecté son positionnement, et on va voir le pilar. Ouais, ça va être compliqué là. Ouais. Ça va être compliqué, sachant que derrière il y a free drag pour ADR. Oh ADR qui comeback dans ce move. Oh là là, il comeback en effet, hein, parce qu'on est les 1k2 qu'on avait, on a plus que 600 gold de retard sur l'ADC. Il prend le premier interrupt à 700 gold hein, déjà aussi là sur MF. Et une mana mune à 600 à peu près. 600 à 17 minutes, ok, c'est ok. C'est ok, c'est okay. C'est pas gros score, mais c'est. Et ouais, regarde, on va donner ce petit Drake, voilà, à Cho'Gath bien entendu. On en a pas parlé de ça d'ailleurs, mais en effet, Cho'Gath qui donne une grosse priorité sur les objectifs type dragon, Nashor et oh là là, je plains cet mec qui va se faire one shot. Oh là là, une Miss Fortune qui va revenir farm, qui n'a rien demandé, qui veut juste récupérer du farm. Il faut juste pas louper la cage. Et la cage. Regarde. Oh là 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 là. Et voilà. Et là, ça commence à devenir compliqué. La Vaille qui va tenter quelque chose. Qui va se faire catch. Le cage, la rupture, l'ulti, bah voilà, deux fois. Et qui flash, mais qui flash dans le Rumble. Oh là là, ce flash dégueulasse. Par contre, on va trouver au bot et on a une TP Horn, on n'a pas envie de l'utiliser a priori.
Bah là, je pense qu'il faut abandonner la tour, hein, mes chers. Hein. En train Et de me la pisser. Dire, il enchaîne les bons calls, la bonne macro, des bonnes cages aussi hein, de Morgana sur ce soir MF, vie. Et pas de soucis, ça permet Voilà. d'enchaîner. L'ulti de. Voilà, comme on avait dit pour la Miss Fortune, l'ulti Instant cancel par plus tard. Par contre, la Miss Fortune Oh qui a quand même non! réussi à choper les kills. Le Ezreal qui est pas bien, qui meurt. Par contre, ouais, solo kill de. Enfin, pas solo kill. Mais c'est Le vraiment horn une qui belle. TP un peu tard là, c'est dommage qu'il ait pas TP avant le horn. Ouais, par contre, il va quand même tomber sur ce Rumble. Et ouais, la derf qui est peut-être Alors, allée un peu loin, un tout petit peu loin sur ce fight. par contre, vite, tu ne tueras jamais ce Cho'Gath. Ça commence à être difficile là, le comeback est réel. Oui, le comeback est bien réel, hein. Regarde au niveau des golds, on a 3K golds de retard. En fait, c'est pas un véritable comeback puisqu'ils étaient pas en retard. Hein. La DRF, ils avaient mieux farm, ils avaient autant de gold. C'est juste que les kills étaient partis en avantage de MLMX grâce à la botlane hein, qui avait fait quand même des bons moves. Et cette MF qui a 5 kills, qui est sur 9 kills, hein, 5, 3, 4. Ouais. En farm 126 CS en 10 minutes. Après, il y a Ah ouais, beaucoup de là on mouvements. essaie de jouer autour hein, de la part de MLMX. C'est dommage qu'il y ait quelques erreurs de positionnement quelquefois. Mais Et tu ouais. vois, tu mets ce pilar, cette Morgana, tu l'aurais mis avec ce Alistar. Oui, ah ouais. Après, il n'y aurait peut-être pas eu autant de solo kill bot. Hein. Oui, c'est vrai, mais elle aurait jamais pu se cancel. Certes. Et il n'y aura pas eu la Morgana côté ADERF. Qui vient caler des bonnes cages quand même. Hein. On va lui donner ça. Et 4 ping hein, côté ADERF. 4 ping dans les stuffs, on voit ça. Et il y en a 4 aussi, du coup, côté Et MLMX, hein. la seule personne qui l'a pas, c'est le support. J'avoue. Tu vas devoir peut-être caler un bac là-dessus. Le Ezreal qui va occuper sa meilleure mana. Ouais, ça est stacké. Ok. Un Donc instant. là, il faut respecter ce power spike qui va être vraiment fort. Notamment contre les Miss Fortune, Vi et Fizz. Non, mais regarde-moi, on est sur la map des montagnes. Hein. Avec un Cho'Gath, un Trundle, un Ezreal qui aura Gantelet Givrant et Danse de la Mort peut-être. Bah sur, ouais, si c'est une map des montagnes, il faut absolument qu'ils partent sur Danse de la Mort. Si Ezreal sera intuable, ils auront jamais les dégâts. Malheureusement, je crois que la game est déjà finie. Déjà, le sort est déjà décidé, alors qu'il n'y a que 3 kgold d'écart et 1 kill de différence. Hein. Et juste la compo là, avec la map, ça fait la différence. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher Sakyo. Non, 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 ici, là, ça commence à devenir assez compliqué. Hein. Surtout qu'ils ont tendance à avoir plutôt voilà, une compo qui va scale. Et regardez, on continue de prendre 4 sur 4. Hein. Le horn qui va tomber. On Voilà, essaie absolument. de. Par contre, c'est le rumble qui tombe de l'autre côté. Pour le horn. Et le horn qui se fait Oh. manger par Cho'Gath. Le Le Cho'Gath qui bon commence à nom être nom à vraiment 3 HP. énorme. 3700 HP. Il a que 2 items et même pas les items qui donnent le plus d'HP. On rappelle, moi, ce ça vient que 350 HP pour 3000 gold. Et la gorge juste 400 HP, donc il y a les items qui donnent bien plus d'HP. On pense à la Warmog, on pense à la Plaque du Mort. Donc ce Cho'Gath qui a de quoi grossir jusqu'à au moins 8000 HP, je pense. Facile, facile. Là, en plus, il y a un Drake qui va respawn. Il va avoir son ulti dessus. Donc, ça va être encore un avantage pour la derf. Même si il n'y a pas d'avantage en termes de niveau pour les jungles. Sachant que tu me confirmes, il me semble que le Dominique maintenant donne plus des dégâts en fonction des PV max. Non. Non, non, maintenant, c'est juste une grosse partie de Pénétration. 45% choix de pénétration. Je joue Donc pas souvent avec. jamais. Ah, et là il part, à mon avis c'est la gemme de la Warmox, hein. Ou du visage pillé là hier. Et Plata qui a son fameux Power Spike 3 items, Zeke Vœu du Chevalier. On l'attendait là quand on a vu le. Ou une TP bot par contre, ça va être un peu audacieux. C'est un peu déçu, mais c'est un Cho'Gath. Ouais, mais C'est ça un n'empêche, Cho'Gath. ça n'empêche, ça n'empêche. C'est quand même tombable. Ouais. Dégâts de vie en pourcentage HP. Oh! Et là, on perd un bon Voilà. avantage pour le Drake, mais on va quand même normalement faire tomber ce Drake. Hein. Joli Oh, ulti de la part dommage! de. MF qui est un peu trop tôt. L'ulti par Oh contre là là de. là. L'ulti de Rumble était vraiment beau sur le fight. Et Ezreal Oh qui va essayer là de là, le fight. combo sur les Ezreal! Ezreal qui s'est trop avancé! On aurait dit Jacky Love! Et Et c'est c'est un dramatique clinchard ça par là, c'est un contre. clinchard, 4 mecs qui sont morts, il n'y a que jungle en vie. Plata qui va avoir son flash peut-être pour tenter un style un peu audacieux. Mais ouais, On c'est a Cho'Gath qui a TP un peu trop au-delà tôt du au tout flash, on a la début. plante. Hein. Oui, au pire. Après, Alistar devrait enlever la plante s'il est intelligent.
Je pense Allez, que ça, ça. enlève-moi Ouais, cette voilà. chance. Voilà, très bien joué, super. Super ce que vient de faire à Slash Lim. Et Voilà, Fizz, il ouais, bon, cover pas. Fizz aurait pu rester un peu plus longtemps, je pense. Ah mais c'est bien joué, c'est bien joué, Le hein. pilar pour MF, prendre le allez, faut bisou. taper un short avant que le Shogat arrive, vite, 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 4000 HP. Ok. C'est pas mal ce qu'ils font Par là. contre, ça, c'est un peu compliqué de peut-être donner de mettre autant sur le Trundle parce qu'on a la team qui revient. Et si on Allez, perd MF, le. voilà, short, très bien joué. C'est un comeback qui repasse devant. 1100 gold d'avance, un Asher, faut back rapidement maintenant, voilà. Voilà ce que j'allais Très dire. bonne C'est que le code engage. MLMX, c'est Melan les Mureaux. Voilà. Et voilà, on voit Alistar qui ping le drag dans 3 minutes 40, dans 3 minutes 52. On veut pas laisser cette âme. Alors, lui qui va être forge? Voilà, l'IE qui a été forge, qui a été augmenté. On a la Trinité aussi augmentée au prochain niveau. Très bon item à augmenter, on rappelle. Regarde au niveau des différences de gold. Là où on avait 4K de retard, maintenant on est à 1K d'avance. Et Ah ce ouais, qui ils ont va fait un. Là, ils prennent 3, 4 kills, donc sûrement des interruptions, j'ai pas bien vu. Il y a eu Plus des les gold du interruptions. Nashor. Après, on peut voir au niveau des pinks et des wards, bonne cover quand même de l'équipe d'ADR qui a bien posé la vision chez ses adversaires. Alors, c'est quoi la solution là? Quand t'es ADR, là, t'as un Nashor en face. Je pense faut tempo, essayer de choper des catchs, tu veux par exemple ce round qui part top, même si on peut, il est assez difficile à tuer. Horn qui n'a toujours pas sa cape solaire niveau Horn, mais 2. Horn, parce que Horn qui a une TP, alors que en face on a Mini Marquez qui n'a pas de TP. Exact. Sur un Drake qui arrive quand même dans 3, 2, 2 minutes 30, enfin 2 minutes 50. Sachant que le nage dure encore. J'arrive pas à voir combien de temps il dure. Alors on a quand même deux chronomètres de la part d'ADR pour bait un prochain teamfight sur Trundle et sur Rumble. Voilà, je parlais de la cape solaire. Enfin, Adril a sa cape solaire boostée sur Horn. Donc là, c'est comme si c'était un Horn en 11-2. Hein. Il vient de prendre 3000 gold d'efficiency grâce à Adril. Ah, ça c'est pas MF fou. qui tape, hein. MF avec ses 70% de critique. Sur les creeps, ça fait mal. On va voir sur Shogat et sur Trundle s'il y a autant de dégâts. Alors par contre, voilà, tu vois, c'est ce dont je parlais quand je parlais de catch. Regarde Hop! la vaille qui se fait catch. Ok, elle Oh, arrive à. mauvais ulti par contre, je pense, de la part Oh de. là 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 là, Il va mourir c'est de un Ignite. massacre! Ouais, très bien joué de la part de la derf. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais quand je parlais de catch. Alors, est-ce que c'est bien joué de la part d'ADERF ou mal joué de la part de MLMX? Un peu les De deux, venir. on a voulu speed push, on a voulu profiter de notre avantage et je pense qu'ils ont un peu sous-estimé la possibilité de catch avec une C'est une Morgana. Morgana Shogat, hein. Tu peux pas te permettre de fetch check comme ça. Pareil, t'as un pire de Trundle pour t'empêcher de repartir en arrière. 3 secondes de stun. Hein. C'est. Faut pas l'oublier quand même. Je pense que tu peux seulement fetch check les bush avec le E de MF. Hein. Tu peux pas faire Avec le autrement, horn. tu peux pas y aller. Avec le 1. C'est que Oh là Horn là. qui peut faire check. Trundle par contre qui reste au milieu du fight. Parce qu'il n'y a pas Ouais, d'ulti. qui force l'ulti du Fizz. Ouais mais il a pas d'ulti, c'est assez étonnant. Parce que normalement il a envie de faire ça Voilà, quand il c'est va fini. faire un creep. Je Oh pense là que là c'est peut-être un là peu là. overextend. Allez, bon dégâts de MF là. On l'a Ouais. vu. Et on a réussi à faire tomber Cho'Gath. Est-ce que Horn va pouvoir Ok. réussir à prendre le kill sur ce Rumble? Le Oh, Drake qui spawn dans combien de flash in temps? de Fizz. 10 minutes. Oh, très bien joué de la part de Fizz. Oh. Ça slow, MF qui vient poser le stack. Et c'est un doublé pour Fizz. Très bien joué, ils vont en récupérer encore. Ah, ils veulent ADF push 4 mid. tellement grillé, il restait plus qu'un creep. Ils veulent push mid a Xavier. priori. Xavier réussit à tamponner le Nashor, c'est dommage d'avoir voulu forcer comme ça. Ils savent qu'ils ont le meilleur compo en late et pourtant ils grid. Oula, et le flash in. Et voilà, le Et encore une flash fois, in, tac tac tac, le Zhonyak est deuxième forcé. catch. J'aime bien ce feed. On en reparlera quand tu seras contre lui au mid, Andy. Et la Trinité qui a été up, la Trinité qui a été up, ils vont pouvoir prendre le Drake. Plata, je connais Plata, il doit être en sang là. Ouais. Plata doit rager énormément là, je connais le personnage. D'ailleurs, Plata qui part du coup ouais, sur une stun plate, vu qu'il est parti chronomètre. Ouais, bon, il prend un stuff assez support, c'est assez classique quand il joue son Trundle. Bon, c'est pas dramatique ce Drake. Le problème, c'est qu'il est bien en sa game par rapport aux autres Trundle et qu'il va vite être full stuff. Hein. Il va peut-être falloir reconvertir les items et acheter des items qui permettent plus de carry. Oh, c'était dommage, c'était de peu cet ulti de Ez. Et là, qui est-ce qui est content? Le Horn qui vient de récupérer combien? 6%? 6% d'armure et de RM magique, donc voilà, Ouais, c'est non mais toujours des.
faut savoir que 10 DRM c'est 10 d'armor c'est 300 gold et 10 DRM c'est 300 et quelques gold, je crois, en termes de pure stats. Ça, Je je sais saurais pas plus te dire, ça exactement. c'est toi qui sais plus que moi. Donc là, il vient de gagner 600 gold à moitié avec ce pack, je pense. Et ça va ne faire qu'augmenter au cours de la partie. Shogat qui a la Warmog, donc Shogat qui va pouvoir tempo à l'infini. Je l'espère, un peu plus quand même. Par contre, ouais, là ouais, ça commence à devenir un peu compliqué pour l'ADR. Faut pas laisser passer ce match. Faut pas se faire Le truc, déchaîner c'est que non quand ils plus. n'ont plus rien pour cancel l'ulti MF, on l'a vu. Même si Shogat il tank de ouf, ben, un ulti MF sur la longueur, ça fait quoi? 1000, 1000, 2000, 2000 dégâts? 2000 ou 3000, je crois. Sachant qu'il a pas encore trop d'RM comme ce 3000. Shogat, il a beaucoup d'HP, mais il a pas tant d'RM 3182. d'armure que ça, avec 140 d'armure. Ah, il avait pris de la MR pour jouer contre Orb, mais. Combien Ouais, il est en contre armure? 141, ouais. Ouais, c'est un sac Et à là, elle part pavé. sur. Elle part 5000 sur HP. quoi, la MF, à ton avis? Ça peut être trop de trucs. BT, danse de la mort? Ça peut être un Black Cleaver aussi. Ouais, Black Cleaver Pour pour avoir découper les le. 40% critique, ouais. Ah oui, j'avoue que le Black Cleaver pour découper la tankiness et avoir les 40% de CDR, ça peut être pas mal, hein. En général, Black Cleaver c'est pas trop mal parce que ça combine bien avec l'ulti. Mais. Alors, il y en a un char qui arrive bientôt, on voit que les équipes se battent pour la vision. Tac, tac, tac. Il y a quoi? Il y a une, deux, trois, quatre pinks. Et deux côtés. Problème c'est qu'on a 4 pings qui sont répartis sur les mêmes joueurs quoi, côté ADR. On en a perdu une d'ailleurs, qui va sûrement Ouais. tomber. Non. Ça... Ok. Bon, c'est la bataille de la vision là, ça se clôt un petit peu. Puis là, on voit que les Serbes n'ont plus de ward dans son. Voilà, il back. Il a besoin de refresh son item support. Et on va envoyer Sho'gath au bot qui a sa TP. Oh. Pour récupérer cette wave, repêche éventuellement. Et Il mettre un m'a fait point de pression. la. Non, elle cancel. On a un 3-1 là pour la derf, c'est assez étonnant. Bah, au moins, il récupère tous ses golds et l'XP parce que là, on voit que ça harame dur hein, du côté d'MLMX. Et le Hop, Vi qui va venir chercher la petit ward. hop Un peu plus compliqué à tenir le Nashor quand on est red side. Bon, pas et impossible d'ailleurs non plus. le farm qui s'est pas les différences de farm qui se sont pas aggravées hein, au fil du Oh, temps et finalement MLMX qui engage. MLMX qui engage le Nash. alors c'est pour bait qu'est-ce qu'ils veulent bait là-dessus Je pense sachant que qu'ils le voulaient Shogat bait la TP de bot Sho'gath, qui a mais même le pas problème c'est de que TP à bait. Sho'gath, il est ici. Il n'a pas besoin de TP. Et ça forcerait juste la TP d'Adril Boss, qui est pas forcément Je pense que struggle. c'est un bon back si le Horn avait bien push sur la wave beaucoup plus loin. Alors la Vicky back alors que le Karabas spawn, non, faut cancel. Voilà, Voilà. elle cancel. Elle m'a entendu. Elle t'a écouté. Exactement. Il faut récupérer hein. Les Karatnash et les Karadrak qui sont très importants. Très importants. Ce sont des wards qu'on ne peut pas enlever, bien sûr. Et j'avais pas vu, regarde-moi ce fizz. Tranquille. Rabadon amélioré, il a combien d'AP? Et du coup, au final, la mise en chute, ça va plutôt partir sur une Death Dance, je pense. Tu penses? Ouais. C'est pas mal hein, quand tu joues une map montagne, une sous-montagne, la DZN qui gagne de la plus-value. Hein. Ouais, peut-être que le Black Cleaver était bien intéressant. Après, je sais pas ce que vaut Black Cleaver maintenant sur une mise en chute. Je t'avoue que quand ça donne 40% de CDR, plus ça, quand tu vois qu'il y a autant de tanks en face, je pense que c'est un bon achat en vrai. Surtout qu'en fait, c'est toujours ça intéressant parce que ça te permet de kite assez facilement. Non, mais je Ah. pense que Et si à elle chaque fait fois DZN qu'MLMX Black Cleaver, c'est super. à chaque fois qu'MLMX décide d'engager ce Nashor, toujours la derf qui vient récupérer vision. Il y a la TP de Oh, Sho'gath. le gros burst sur Trundle, est-ce qu'ils vont rester one shot? Oh non, ils mettent beaucoup sur Ils Trundle. mettent beaucoup sur Trundle qui a Trundle. tellement one shot, qui a Et tellement tempo avec Sho'gath qui est en train d'exploser la backline. Oh non, 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 ils ont mis beaucoup trop sur ce Trundle qui avait Oh Stoneplate. là là, et Morgana qui lâche une bonne cache sur Alistar. Alistar qui va devoir rentrer chez lui à pied, je pense. Qu'est-ce qui C'est est plus dommage. intéressant? C'est dès C'est. la. Ils vont aller récupérer le Drake, je pense, à Melanix. Donc ça reste Ouais, quand le même assez problème, c'est que intéressant pour eux. tu vas 15 secondes, hein. Ouais, mais je pense pas que la derf sera en position. Regarde, Voilà, Rumble a alors plus d'HP. oh, regarde les compos de merde pour faire le Nashor là. Il y a Ouais. 3 points à faire, Ah, ils y vont, hein. Ils y vont. Rumble a vraiment 0 HP par contre. Et ils y vont, Trundle y va. Oh, et c'est l'équipe de non, très bien joué. Et c'est attends. MLMX qui récupère ce Drake.
Rumble Shogat commence vraiment à être costaud en teamfight. Ouais. Oh ouais, J'ai Shogat, je sais pas si t'as vu sur teamfight, il a été vraiment compliqué pour la backline. Hein. Il est venu chercher cette grosse vu, fortune, il est venu chercher ce j'ai Fizz. Et un Fizz, il a pas eu le du fight, je crois. Ça a été un peu compliqué pour lui. Je faisais mes ennemis, c'était intéressant. On avait vu Shogat au bot, force Nashor pour forcer la TP. Et après, on Et disengage, normalement. Oui. normalement, l'étape d'après, c'est on disengage. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout mis sur un Trundle full tank stone plate. Et qui avait volé, je crois, les stats de Horn en plus. Donc, le pire choix. Et encore, je trouve qu'ils Oh là là, les s'en HP de sortent très bien. Cho'Gath. Oh là, les Un HP de Drake, seulement deux morts. Oh, les HP de Cho'Gath. Mon dieu. Oh mon Il dieu. Regarde son step en plus. 5 100 d'HP qui part sur Thornmail, très bon choix. Hein. C'est Thornmail là. Là, il va être intuable. Intombable. Et d'ailleurs, par contre, le Horn qui est parti sur une trop berçant aussi. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent parce que c'est quand même un Ah, item qui. là, comme tu dis, c'est item super en troisième item. Ouais. Genre, option ou c'est là. Oula, Trundle. Trundle qui est spotted, qui va se faire catch. On a Morgana Mais qui est quand même pas loin. Trundle, c'est pas le mauvais bon choix d'aller sur Trundle. Par contre, la Morgana qui a juste à côté. Et par contre, le Cho'Gath, on n'a pas envie de gueuler dessus. Il y a le titan ça arrive là. C'est la Jeff Mythology again. Ça manque En effet, d'amorphé, ça mais MF, pour. Ouais. hein. Je Ouais, pense pas on parlait d'un Black Cleaver ou d'un. Ou d'un d'un. Ben, pas super, mais. Équivalent. Oh là là. Regarde, c'est prêt? 190 d'armure, 75 de RM. Ouais. Limite, Ezreal, ouais. Il est bien tanké quand même. 190 d'armure sur un putain d'ADC, quoi. Et Allez, on va en plus, récupérer le Red Buff en plus pour la derf. on a déjà un, mais pourquoi pas Ouais, un reset deuxième. Ça empêche d'en avoir un. Et on veut essayer de catch. Est-ce qu'on va être patient côté derf? Parce que je pense pas qu'ils vont venir de sitôt. Ah, la Lystar, quoique, qui nous fait démentir. Ouais, bah, il se dit c'est ma jungle, on voit le Rumble bot, je suis tranquille. Rumble Oula! et bot, Rumble TP, c'est le moment de fight, voilà, gros one Ouais, shot. très mal joué là, de la part de la derf. On a voulu tenter Ah, un catch. on prend le Rumble quoi. Par contre, ce S, jamais vouloir rien, bah oui. Ouais. Et je joue conquérant en plus, S, je l'ai pas Oula! vu. Oh, le bel ulti Fizz! Ulti Rumble. Oh là 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 là, est-ce qu'il va Joli, l'avoir? joliment joué de la part d'Ezreal. Oh Ouais, oui, ça très bien suffira fait, pas. pas de zone. Aïe aïe, assez compliqué là par contre. Bon. Je pense pas qu'elle ait l'élite, c'est vrai, récupérer grand chose. Magnifique, nous savons. Est-ce que c'est une fin de game là-dessus? Je pense pas. On a que. Cho'Gath quand même. Ouais, Shogat qui peut. Il y a Cho'Gath, Trundle qui a aussi son ulti. Ils sont 24, intombables. Peut-être qu'ils vont 6, manquer de 60. dégâts. Ah, il y a support qui arrive. Non, on va juste récupérer les inhibs. J'espère pour MLMX, sinon ça va être ouf. Voilà, est-ce qu'ils vont forcer? Non, c'est bon, c'est bon. Le callback. Par contre, ça a ping 0, hein, il sait tout en vocal. Ah, c'est bon. Ouais. Vite. Ah, c'est dommage de faire l'item d'armure d'étoffe alors qu'elle aurait pu prendre plutôt le chronomètre. Ah non, mais Voilà. regarde, Miss Fortune qui part plutôt sur une BT, hein, qui nous fait démentir 3 fois de suite. Ouais, c'est. Je t'avoue que le mieux pour moi, ça aurait été Death Dance Black Cleaver. Hein. Ouais, Death Ex Black Spear, pour moi, c'est costaud là. Ouais. Avec un Ouais. Lystar qui push back le Cho'Gath pour pas qu'il empêche le. Ulti, ça peut vraiment être pas mal. Niveau des golds, regarde, on a rattrapé le retard. Et je sais pas où est-ce qu'il. C'est au mid. Et au top, ouais, au top 4K gold d'avance pour ce Cho'Gath. Bah ouais, t'as un item de plus, hein, et puis qui vient de récupérer, il a combien d'armure là ce Il a Cho'Gath? sa Thornmail, donc il a 250 d'armure. Là, ça devient vrai, là, ça. Et Là. 6200 HP. Hein. Là, on va Juste pour back, un. ouais. Là, il faut back maintenant pour le Drake. Il faut reset Ça les réduit wards. 112% les dégâts. C'est-à-dire que pour le tuer, il faut faire 4 fois ses 6 HP, il faut lui mettre 24 000 de dégâts dans un teamfight. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Sachant que si tu fais pas en un coup, il se barre et il revient. Il se heal avec la. Avec la Warmog. Tu fais quoi là en dernier item quand t'es Cho'Gath? Franchement, je sais même pas s'ils vont en faire. Hein. Je t'avoue que la proto belt c'est quand même pas mal hein, pour te rapprocher, donner 10% de CDR s'il est pas capé CDR là. Peut-être, vu le stuff de la Miss Fortune, un rendu 1. Alors,
pour limiter les critiques. Oui, c'est pas mal. Et l'ABT, MF qui a remonté sa BT, ouais. Ezreal qui part sur un Dominique, je pense. Ah, peut-être un. Par contre, Alistar. Alistar qui. Alistar qui a go dans le vide. Ça peut se repositionner, ulti, est-ce qu'il est parti. Très bien, par contre, la vaille ici, là, qui va. Qui a un joli flank. Le fils qui m'a volé aussi. Le fils qui chope one shot le Ezreal. La Morgana qui est mort, c'est un 3v5. Oh là là là, la vie qui commence à enlever l'armure de ce Trundle. Par contre, ouais. Rumble. J'ai pas vu l'engage du fils, mais fils qui a fait un teamfight incroyable. Fils a été très chaud sur le teamfight, il a chopé l'ADC, il a chopé le support. Regarde-moi la wave mid. À la dire qu'il n'a même pas des push, la wave mid avant de go cette teamfight, je pense que c'est une fin. C'est très bien joué de la part d'Alistar. Je te repousse pas toi. Et c'est. Game avec l'âme. Pour la Soul, pour MLMX, qui viennent prendre cette première victoire face à la DERF. Incroyable. Revoir ça, j'espère qu'on pourra le revoir quand même. Est-ce qu'ils vont vraiment finir la game sur ça? Pourquoi est-ce qu'il a pas back Shogas? Je sais pas. Deux secondes avant l'Ezreal, ce n'est peut-être pas... Non, ce n'est pas la game. Par contre, voilà, Fizz qui va se faire toucher. Ça, c'est du hit. Oh, attention, est-ce que c'est quand même fini? Je pense... Si, c'est fini. Fini, je pense. Hein. C'est fini. Et la DERF qui tombe pour sa première game. Première game sur une game qui était pour moi inwinnable, hein. Imperdable, hein, quand tu vois la compo d'en face. Et non, ils me font mentir. 40. Je pense que pour les viewers, tu devrais pas cliquer sur continuer et que tu devrais regarder le dernier teamfight. Ah, trop tard. Ah non, le dernier teamfight est quand même à analyser. Ouais. Le dernier teamfight, franchement, c'est Fizz qui a fait tout le teamfight. Hein. Il one shot Ace et il met 80%, il met 80% de dégâts à Morgana qui doit flash in ult mais qui se fait one shot. Se finir. Qui s'est bien vengé de toute sa phase de lane où il avait eu du mal à jouer contre le Rumble. Il avait du mal à farm, il a pu vraiment déployer son jeu. On a un score au niveau des scores de vision, c'est pas mal. Hein. Au niveau des balises de contrôle HT, on est... Tous les joueurs ont montré une grande rigueur sur la vision. Ce qui n'était pas ce cas sur le farm et sur le dépouche des waves, mais pour ce qui est de la vision, ils sont irréprochables. En tout cas, c'est MLMIS qui vient de montrer qu'ils viennent de battre les tenants du titre et qui annoncent la couleur. Ils annoncent clairement la couleur sur des teamfights prodigieux. Alors, on peut pas dire que la vision était très bonne, mais les teamfights étaient très très bons. Ouais, des prises de fight vraiment intéressantes. Fizz qui a vraiment fait la différence sur les deux derniers fights. Une frontline qui était difficile à faire tomber, hein. On en a pas trop parlé, mais au vu des deux teams, la frontline était quand même assez difficile. Il n'a pas été trop focus dans le teamfight et qui a réussi à trouver ses dégâts. Et surtout, on oublie le Z de vie qui permet de réduire les points de vie, l'armor et de faire des dégâts en fonction des PV max. C'est ça qui a finalement, je pense, été très efficace contre le Shogat Trundle. Et je pense qu'on peut regarder les dégâts réduits sur soi. Oui, c'est Trundle qui a tout, presque tout réduit. Je suis un peu déçu par ces stats, parce qu'en fait, c'est des chiffres complètement ahurissants, et pourtant, ça tourne autour des 30-40 000. Non, parce que ça reste pas beaucoup. C'est ça, ça pas beaucoup, en fait. Au niveau des PV soignés, ben voilà, on a Plata qui a soigné beaucoup avec son... A moins de dégâts qu'un Rumble... Ah, c'est pas normal, tu vois, normalement, c'est censé full poke et avoir un nombre de dégâts. Après, je pense que t'as peur, tu vois, tu peux pas trop t'avancer. Tu te dis, vu la tendance du Alistar pour flash in, pour go in, j'ai eu un peu peur. Et tu vois, au vu de la compo, je n'en sais pas du tout MLMIS gagnant. Et qu'ils nous surprennent avec une mauvaise compo à battre les tenants du titre, ça annonce tu vois. Après, ils avaient quand même une compo pas mal, hein. Comme je te dis, ils avaient un peu de catch et un peu de teamfight. Surtout que c'est que voilà, la frontline était quand même difficile à faire tomber, hein, côté ADERF. Est-ce que c'est possible d'avoir un des joueurs de chaque équipe dans le vocal? On va voir. Histoire d'avoir qui nous explique un peu, qu'on nous explique ce Rumble Mid en réponse à Fizz, qu'on nous explique ce pick Alistar alors que Morgana est open. Alors, attends, je vois qui est-ce qui. Je vais voir qui est-ce qui est la réaction d'un show des joueurs. Quelqu'un qui arrive. Oui, il y a pas tard. Ma réaction. Du coup, c'était quoi la question? Pourquoi ce pic Rumble en réponse à un Fizz V?
Bah, on lui a dit tu joues ce que tu veux, mec. Du coup, il a joué ce qu'il voulait. Ok, ça marche. Un peu de déception, je pense, sur le premier Drake, sur ce flashing pillar. Ouais, après le premier Drake, en vrai, je pensais que le fait de flashing, elle allait beaucoup le burst le Drake, mais pas du tout. Et après, genre, le call Nash, moi, j'aurais dit, les gars, faut faire Drake. Et bah, non, en fait. Bah Ils non, ont dû faire et Nash. là, l'âme est beaucoup plus forte qu'un Nashor, malheureusement. Bah oui, mais c'est très bien. C'est là où on perd la game, je pense. Ouais, je pense que si vous aviez fait Nash, ça aurait été peut-être un peu différent. Ouais, Drake, Drake. Ouais, Oui, le cast à 2 est beaucoup plus agréable au deep 4-3. Oui, carrément. bah ouais, c'est sûr, je pense Carrément, que c'est. carrément, Andy. C'est réfléchi, hein, t'inquiète pas. En vrai, on a juste l'erreur, c'est juste de pas faire le Drake, hein, c'est tout. Hein. Ouais, Je pense. alors Hein. après, il y a quand même des trucs bizarres, hein, la TP Cho'Gath tout seul. Ah oui, ça aussi. En On n'a pas trop fait, compris ça. il dit, ouais, les gars, je t'ai payé. Je fais, ok. On n'a pas starté Drake, frérot. Le dernier teamfight, alors j'ai pas bien vu, mais je crois que Fizz a solo win le dernier teamfight en Ouais, one-shotant. dernier Il... teamfight, c'était assez compliqué. Moi, je peux plus regarder la game parce que je peux pas la télécharger. Mais vous regarderez sur Mais le replay. je vais la mettre sur YouTube là Oui, de toute tout façon, de tu suite, je regarderas pense. sur replay. Moi, j'ai suivi le Fizz parce que c'est lui qui a vraiment fait ce fight sur Alors, la fin. c'est une game très difficile, on l'a vu contre Humble, pas possibilité de farm, 12 CS à 5 minutes, vraiment la grosse grosse galère, et qui s'en sort en 10-5-6 avec le Rabadon amélioré. Bon, enfin, Ouais. au niveau du farm, je pense qu'il faut pas trop en parler sur cette game. Ah, j'ai Quand pas vu tu vois que... j'ai pas eu le farm. Ah oui, putain. Ouais, on parlera pas trop du farm. Mais franchement, des compos intéressantes, et en plus une âme qui allait en faveur de ces compos, quoi. Vraiment. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Mais ouais, bah ouais, moi j'ai. En vrai, c'était galère. Hein. C'était galère. Genre, pour catch le fils, c'était impossible en fait. Enfin, en late game, hein, c'est. En fait, le fils, le seul moment où vous pouvez le catch, c'est quand il go in et qu'il n'avait pas encore son E. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en J'avais pas. général, sur le dernier fight par exemple, vous avez failli l'avoir, mais il avait déjà fait tout son DPS et il avait explosé tout le monde, toute votre Mais moi, backline. en fait, enfin, je servais à rien. Genre, je me suis fait même de tous les côtés et juste je tank et après je meurs à la fin. De toute façon, c'était ça. Hein. Regardes... Bah, si, le premier... Il y a un fight où ils ont justement, au contraire, ils ont tout mis sur toi. Et c'est ça qui a fait le fight. Hein. Ouais. En fait, ils ont tellement une compo en gage que vous auriez juste dû jouer autour du Ezreal, je pense. Ouais, Ezreal mec, qui... genre le Ezreal. Enfin, on pouvait pas. Le bot, on pouvait pas. pouvez plus jouer Je autour à... pouvais pas jouer bot. Genre, j'ai start bot, je me suis dit, vas-y, je vais top side. Et Non, mais moi, même bot, après, c'était safe. en mid lane game, le S peut full poke, avec le Black Shield de Morgana, il peut full poke, prendre un peu de risque, et se Non, faire mais je full suis shot. d'accord, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Enfin, on a essayé de faire. En tout cas, très agréablement surpris de cette nouvelle équipe, hein, MLMX, même s'il y avait quelques joueurs qu'on connaissait. Ça annonce du lourd, ça Ouais, annonce... franchement, c'est cool, hein. Franchement, ça va être sympathique, j'ai hâte. Ouais, J'ai moi, hâte de hâte de commencer de retrouver jouer. mon rôle support, là, j'en ai ras le cul, ça m'a cassé les couilles. C'est ça qui t'a frustré. J'ai Je senti ta frustration. suis mort deux fois, j'étais en mode bon. Mais en vrai, c'est juste enfin, ils avaient une team que nous autres scale hard aussi. Je suis pas sûr. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas Bah, d'accord. en vrai, moi, enfin, ils ont tellement de. Enfin, si moi j'arrive pas à cancel l'ulti DMF ou de. Non, il y avait Cho'Gath, il y avait un fight où Cho'Gath il a juste défoncé les backlines et s'il arrivait à accéder à MF et Fizz, c'était easy derrière. Mais bon, Ouais. c'est avec toi ton Alors, pillar, Slash. ça va beaucoup à ça, mais. Point de vue de Slash maintenant. Slash, est-ce que tu Après, peux en m'en dire? vrai, Ah, il y a le Slash qui problème est c'est là? si Alexis avait Ouais. été full stuff, je pense que ça aurait changé la game un peu, mais il était un peu en retard, mais c'est pas grave. Alors, Slash, moi j'ai une question. Oui. Pourquoi ce Alistar Ça va alors être que très très Morgana est simple. au top? Ça va être très très simple. En fait, j'avoue, j'avais. Enfin, dans ma tête, c'était Platane support. J'avais pas fait gaffe à l'ordre. Et du coup, je pensais qu'il allait jouer Trundle sup et je pensais que. Ah, ok. Ah, c'est Mais bien du coup, joué. je me suis fait un peu niquer sur ce genre. J'avoue, j'ai pas du tout capté. Donc, bah, quand j'ai vu Morgana, j'ai fait, ah, bon, J'avoue que ça va être la compliqué là. Morgana Black Shield, elle aurait été tranquille. Après, t'as fait des très beaux plays. Hein. Vous arrivez à être deux points alors que la MF, elle a plus de heal, plus de flash. Elle a dû faire un back rapide. Et vous arrivez à prendre cette Ouais. équipe en 4-0-2 au bout d'un moment. Et Ouais, t'as bien c'est sûr qu'au joué. début, c'était un peu chaud. Genre, Ouais, les premiers niveaux, ouais. tout début, on s'est bien fait mêler. J'ai bien aimé ton move sur Nashor où tu pousses le Trundle, tu prends la plante. J'ai bien aimé le moment où tu repousses pareil le Trundle au niveau du Drake.
Il J'avoue, le était. Trundle au niveau du Drake, je voulais juste combo de l'autre côté du mur, je pensais pas qu'il allait flash tout de suite, mais. Après, Moi, j'ai je sais pas senti une si t'as fait déception. exprès. Peut-être je me suis dit il a voulu flash mon combo, mais alors ça serait vraiment très bien joué, mais du coup c'était un Non, peu non, trop non, tôt. je me suis dit, bah, ils ont burst le Drake, je vais essayer de flash in et de le snipe Ouais, au ouais. côté, non. Ouais, bah en vrai j'ai eu un peu de chat, j'avoue. Mais de toute façon, je l'aurais pas steal, hein, même si tu m'avais pas touché. Enfin, Ouais, c'était un peu compliqué. je m'aurais tué. Non, Ouais, non, franchement, toi t'avais flash une tôt, bonne game. t'avais Hein. flash un peu trop tôt, je pense, mais tu savais pas, hein, mais t'avais. Deux. Ton flash était un tout petit peu trop tôt, je crois, de souvenir. Ouais, mais je me suis dit, ils vont full burst, je vais flash in. De toute façon, même si je prenais Drake, enfin, on a perdu. Oui. Donc, Ouais. Ouais, le c'était fils a clair. bien carré le dernier fight. Ouais, le Comme... fils a vraiment Il y a one shot fait S, du. non? Il a Ah, one il shot y a one Az et shot. Morgana. En fait, les deux Ça étaient peut me collés ressembler. et ils ont pris multi et du coup ils ont pris midlife. Ah ouais, putain. Parce que j'ai pas vu, mais. Il a bien rattrapé son hint move du début, on va dire. Il a rattrapé son early, ouais, parce que son early était pas facile, vraiment, il a pas dû s'amuser. Ah, vraiment, Il il. Ouais, il a Parce mis qu'il y a un quand même ulti, une il a petite Black frappe. Shield Morgana. Ah oui, il y a move mid là, ouais. Oui. Ouais, ça nous a mis mal, ça. Ouais. Mais bon. Ouais, il y a eu des moves un peu bizarres de la part des deux équipes, mais ça nous a donné une incroyable. On va au 7 Drake, on va au 2 Nashor. Ah, la coupe de Ouais, gold, les deux teamfights, c'est une coupe chinoise ça là. va. Je l'ai pas la coupe de gold. Ça un zigzag sans fin. Enfin, pas vraiment, mais c'est Mais je pas. l'avais pas, je crois. Ouais. Non, les spectateurs, on voit Ouais, pas. non, on la voit pas, nous. Yes. Bon, bah écoute, je pense que je vais fermer le stream sur ça. Le cas vous a plu, et puis à la prochaine game, on a quand même un FOM à voir, il me semble. Aïe, Ouais, aïe, aïe. c'est sûrement Ça pas trash talk. aujourd'hui. C'est sûrement pas aujourd'hui, mais ça continue de trash talk et ça continuera de trash talk jusqu'au moment du match et même après. Sont les loups noirs? De quoi? Les loups noirs et lesquels sont les loups blancs cette année? Ah, bon, on verra. Et... On verra tout ça. Réponse la semaine prochaine, je sais pas vous. Normalement, la semaine prochaine, oui, de ce que j'ai compris. Allez, allez. Je vous mettrai les games de la semaine sur le Discord. Mettez les games de la semaine sur le Discord, s'il vous plaît. Oui, le planning, on mettra sur Discord. Ah oui. Bah, comme ça a été fait cette semaine, non? Ouais, comme toutes les semaines, mais de toute façon, au pire, vous avez le planning sur GDoc, mais on le mettra quand même sur le Discord. Yes, Bon, yes. n'hésite pas à mettre ce soir pour les. Il me semble que c'est nous, c'est Michel à PHP qui joue pas la semaine prochaine. Je crois, ouais, je crois aussi. Attends, j'arrête ça. Et après, je vais fermer le stream. Alors, attends. Allez, bah on a plus. Ciao, ciao. Ouais, c'est vous qui jouez pas la semaine Ouais. prochaine. Bon, allez, bonne soirée à tous. Salut. J'espère que le stream Ouais, vous a salut, plu. salut. Au revoir.